zéro gravité. De l'épidémie, j'ai besoin de comprendre pourquoi. C'est génial. Lorsqu'il pulse, il peut modifier un code génétique. Une structure neuronale même. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Mais comment peut-on l'arrêter? Demande à Mercer. Il a enfermé toutes ses recherches sur le monolithe dans sa chambre sur le pont d'équipage. Non, non. Comment t'as enfermé? Non, il va te tuer. Je refuse d'avoir d'autres morts sur la conscience. Après la mort d'Amelia, l'unitologie était tout ce qui me restait. Regarde où on en est. Terence, écoute ça. Je veux dire que sans toi, j'y serais jamais arrivée. Tu as tant fait pour moi. Hé, rappelle-toi que nous sommes séparés 6 mois pour que tu vives ton rêve. Tu aimais Amelia. Tout autant que j'aime Isaac, mais si je ne trouve pas de remède, je ne le reverrai jamais. Je t'en prie, aide-moi. 39277. Ce code devrait pouvoir t'aider à rentrer dans la chambre de Mercer. Ce code devrait encore marcher. Merci. Tiens. Je préfère que tu gardes ça. Docteur Brennan. Nicole. La mort était la seule chose que craignait Mercer. Maintenant. Alimentation rétablie.
Alors, t'as un plan? L'astéroïde est maintenu par les attaches gravitationnelles. Il n'y a pas de procédure d'arrêt d'urgence. Je vais devoir les désactiver manuellement et planter la balise de détresse dessus. Ok. Allez, il faut que ça fonctionne. Entrée en zéro gravité. Thank you.
dans une zone de vide. Chargement 8772 n'est plus attaché. Le personnel non entraîné est prié de quitter la zone minière.
en zéro gravité. Gravitationnelle externe désactivée. Attache interne à pleine puissance. Thank you.
Interlude. Commande manuelle, prête.
J'ai l'impression d'y voir mon frère. Il me fait signe. Au moins, le signal est envoyé. J'aligne les... Une seconde. L'antenne de communication ne répond pas? Oh, merde. L'antenne de communication, on l'a pas réparée. Ce n'était pas un problème d'encodeur. Alors espérons que l'estimation de 48 heures aussi était fausse. Sans communication, on oublie le sauvetage. Prends le tram jusqu'à la passerelle. Je forcerai la porte de la salle des communications. Tu pourras aller voir ce qui cloche avec l'antenne. Et ne t'en fais pas pour Nicole. Comme l'a dit Amand, elle fera ce qu'il faut.